Mais tu as quoi, chérie? Rien, ça va. Il n'y a rien, mais pourtant tu es rentré sans même chercher à savoir où je suis. Je ne crois pas à ce mensonge. Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? S'il te plaît, partage tes peines avec moi. Je te dis que ça va. Arrête d'insister. Je n'ai pas envie de parler. Ok. Mon Dieu, qu'est-ce qui arrive à mon mari? Normalement, il devrait me déposer même s'il n'a pas envie de suivre les enseignements. Qu'est-ce qui se passe? Depuis près de 14 ans que nous nous sommes mariés, c'est la première fois qu'il me laisse marcher seul pour l'église. Qu'est-ce qui ne va pas? Ou bien ai-je fait quelque chose dont j'ignore moi-même? En tout cas, tout est entre tes mains, Seigneur. Tout dépend de ta volonté. Tout ce qui est obscur pour moi ne l'est pas devant ta face. Que ta volonté soit faite. Il faut que j'appelle mon ami et lui exposer mon envie de démissionner. Il aura sûrement quelque chose à me proposer, ça c'est sûr. Allô? Allô, je me nomme Françoise, la secrétaire particulière de Monsieur Colin. Que puis-je pour vous? Bonjour mademoiselle, moi c'est Monsieur Jean. Puis-je parler à votre patron Monsieur Colin? Donnez-moi quelques minutes s'il vous plaît. Allô Monsieur Jean, actuellement mon patron est très occupé dans une discussion d'affaires. Il demande que vous passez le voir à maison, dans une heure de temps. D'accord, d'accord. Merci beaucoup et passez une agréable soirée. Merci monsieur, passez également une très bonne soirée. Bienvenue mon frère. Merci Colin, tu t'es fait très jeune ce soir. Écoute, il le faut des fois. Rester tout le temps en costume ça fatigue. En plus c'est un vendredi soir. C'est vrai. Je sais que tu as quelque chose à me dire. Mais tu n'as que 5 minutes, hein, car nous sortons tout de suite. Quelle sortie? Je veux te sortir t'amuser un peu afin que tu découvres mon monde. Waouh! Vraiment merci beaucoup. Oublie ça, ce n'est que de l'amusement. Bon, vas-y, j'écoute. Mon cher ami, je veux démissionner dans mon poste. Je veux que tu me proposes des affaires. Il faut que tu m'aides à avoir une meilleure situation. Pourquoi cette décision subite? Je te dis mon frère, ce travail me stresse jour et nuit. Je n'arrive même pas à exploiter totalement mes potentiels. Même le peu que j'utilise n'est pas reconnu à sa juste valeur. Chaque jour, mes supérieurs ne viennent que nous stresser. Ils sont toujours insatiables, au même moment ils donnent en retour un maigre salaire. Je suis fatigué et je n'en peux plus. Ouh, doucement, doucement. Ne t'enflamme pas pour cette petite situation, mon frère. Dis-moi clairement ce que tu veux que je fasse pour toi. Je veux faire des affaires avec toi. Mais qu'est-ce qui te fait marrer? Je fais beaucoup de choses que tu ne sais pas encore. Donc quand tu dis faire les affaires avec moi, c'est très vague. Je veux tout faire. Es-tu sûr? Bien sûr que oui. D'accord, mais pour le moment je te veux comme directeur commercial régional de l'une de mes entreprises. Seigneur, juste comme ça, tu me nommes directeur régional. Oui, tu as le poste et tu commences ce lundi même. Tu as intérêt à vite déposer ta lettre de démission. Oh mon Dieu, je ne croyais pas arriver si haut en seulement une seule journée. Merci beaucoup Colin. Tu me sauves la vie. Je t'enverrai le contrat dès demain matin. À présent, allons nous amuser. D'accord. Bonsoir, mon frère, comment tu vas? Je vais bien, monsieur, et vous-même, comment vous allez? Oui, je vais très bien aussi. Vous étiez parmi les amis milliardaires de monsieur Colin. Ceux avec qui j'étais à la fête ce soir, si je ne me trompe pas. Effectivement. Mais tu fais quoi ici? Tu devrais déjà rentrer. J'ai juste envie de prendre un cake pour mes enfants. Ok, c'est bien. Et vous, vous faites quoi ici? Je suis dans mon complexe hôtelier. C'est pas possible. Bien sûr que oui. C'est d'ailleurs la plus petite des 20 complexes que j'ai. Ne fais pas cette tête. D'accord. Bienvenue dans le groupe des milliardaires. Je ne le suis pas encore, mais ça viendra, Inch'Allah. Comment tu peux faire la compagnie des riches milliardaires et dire cela? C'est évident que c'est toi-même qui ne veux pas. Mais de quoi vous parlez? Je ne comprends rien. Tu comprendras. Tiens ma carte, contacte-moi après. D'accord. Ma bien-aimée, mon amour, comment tu vas? Je suis désolé pour hier. S'il te plaît, ne sois pas trop fâché contre moi. Je m'étais laissé emporter par le stress de mon boulot. Je peux comprendre que tu te sois emporté et que tu m'avais ignoré, mais on n'ignore pas la parole de Dieu. Quel problème tu as au boulot et que ton Dieu serait incapable de gérer?
Je n'aimerais plus que ça se reproduise. Ne me cache plus rien. Ok, c'est compris. D'ailleurs, j'ai une très bonne nouvelle à partager avec toi. D'accord, je t'écoute. Je viens de déposer ma démission au boulot. Ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. Bien sûr que oui, puisque je viens d'être nommé directeur régional d'une autre entreprise. Seigneur, tu es grand, tu es merveilleux. On doit faire une action de grâce pour cette bonne nouvelle, chérie. Tu vois quand je te disais de toujours te patienter. Devine qui m'a offert le boulot. Dis-moi. Mon ami de lycée dont je parlais la dernière fois. Que Dieu le bénisse, lui et sa maison. Amen. Aujourd'hui, les choses vont mieux pour mon mari et moi. On arrive à mieux prendre soin de nos enfants. J'ai une grande boutique de vente de panne qui marche plutôt bien. Je dois rendre grâce à Dieu pour le peu qu'il nous donne. Je suis prêt pour le boulot, chérie. Déjà, mais tu n'as même pas pris ton petit déjeuner. Oui, mais j'ai beaucoup à faire aujourd'hui. Il faut que je m'en aille vite. Ok. Mais t'inquiète, on se retrouve tout à l'heure. Le chauffeur passera te chercher à la boutique pour le dîner. D'accord. Passe une très bonne journée. Merci. Mais tu as quoi, ma chérie ? J'ai peur, maman. Tu as peur de quoi ? C'est encore l'une de tes stratégies pour manquer les cours aujourd'hui, n'est-ce pas ? Non, maman. J'ai fait un très mauvais rêve. Tu connais mauvais rêve, toi ? Je suis sérieuse, maman. Et le rêve porte sur quoi ? J'avais vu le sang partout à la maison. Même l'eau de robinet était du sang. Et papa buvait l'eau de robinet qui est comme du sang là. C'était dégueulasse. Et effrayant en même temps. Qu'est-ce que tu racontes ? Quand tu te pointes ici devant les films d'horreur à la télé, je te les refuse, n'est-ce pas ? Je ne veux plus te voir devant ces genres de films. Tu vois les rêves bizarres que tu fais. Gnagnagnais, papa est en train de boire du sang du robinet. Tu prends ton papa pour un zombie ou quoi ? Il faisait vraiment comme un zombie. Si tu ne dégages pas devant moi tout de suite, c'est avec mes talons je vais t'arracher tes dents là. Bonne journée. Bonne nuit. Soyez les bienvenus à la réunion d'aujourd'hui, mes multimilliardaires. C'est nous qui sommes les gouverneurs de ce monde. Personne n'est au sommet si ce n'est pas de notre volonté. Même les rois et les présidents, si puissants qu'ils soient, nous obéissent. Nous sommes les sauveurs du monde. C'est ce qu'on décide qui se passe. Alors, mes compagnons de vie, je tiens à nous rappeler que l'année tire déjà vers sa fin. Vous savez que, mis à part l'offrande imposée par notre Dieu lui-même, nous devons faire un second sacrifice au choix. Il faut que chacun prépare son offrande pour notre Dieu. C'est par rapport à la qualité de nos offrandes que nos richesses se multiplieront. Choisissons donc les meilleures offrandes pour notre Dieu. N'oublions pas aussi de faire intégrer de nouvelles personnes de confiance dans notre secte. Il faut choisir les personnes qui sont courageuses et qui ont le désir ardent de devenir riches. Cette année, moi, j'offre mon mari en sacrifice. Il me faut beaucoup plus d'argent. Je dois être candidate aux élections présidentielles et en tant que première femme de toute l'histoire, il faut que je puisse battre la meilleure campagne. Moi, je veux sacrifier la nouvelle femme que j'ai croisée récemment. Elle est très belle et pleine d'avenir. Moi, je donne mon fils aîné. C'est intéressant. Vos offrandes semblent parfaites. Espérons qu'ils soient acceptés. Moi, je donne mon père pour le sacrifice de mon choix. Bonne arrivée, mon patron Colin. Merci. Alors, comment tu vas ? Ça va, et toi-même ? Je suis passé t'informer que je voyage tout de suite. J'ai un ami qui se marie à Londres que je dois assister. Ah bon ? Fais bon voyage. Merci. J'oubliais, je voulais te dire quelque chose. J'ai remis ton contact à mon fournisseur de véhicules. Il t'apportera deux clés de voiture. Une pour toi et l'autre pour moi. Une voiture pour moi ? Oui, c'est un cadeau. Mais les gens ont l'argent, hein ? Cette voiture que Colin m'a offerte est trop chère. D'où est-ce qu'il trouve son argent ? Je l'avais demandé de m'introduire dans des affaires, mais il a préféré me faire travailler dans un bureau alors que lui-même ne fait que voyager. Il faut à tout prix que moi aussi je devienne milliardaire. Je ne dois pas me limiter sur le peu. Il faut que je sois ambitieux. Je dois commencer par faire mes propres affaires. Ce boulot seul ne peut pas réaliser mon rêve. Chérie, je suis déjà prête pour le culte. Comment trouves-tu ma robe ? Tu es très belle avec. Et les enfants, ils ne sont pas encore prêts.
ils étaient avant nous, ils sont devant leur télé là-bas. Mais pourquoi tu t'es habillé ainsi pour le culte? Non, je ne viens pas au culte aujourd'hui. Je vous dépose et moi je continue ma route. J'ai un rendez-vous d'affaires. Quelles affaires? Ça ne peut pas attendre demain lundi. Ce sont mes affaires personnelles. Il ne s'agit pas du boulot. Tu prends toute la semaine pour travailler et même le dimanche tu ne peux pas l'offrir à ton Dieu. Pourquoi cette paresse? Même le Dieu qui nous a créés s'était reposé le septième jour après la création de l'univers. Tu as bien dit après la création de l'univers. Ça veut dire qu'il avait tout accompli avant de se donner son repos. Je ne pense pas qu'il le ferait s'il n'avait pas atteint son objectif. Moi je n'ai pas encore atteint mes objectifs, et donc pas de plaisanterie. Quels objectifs tu veux et c'est seulement aujourd'hui tu dois l'atteindre. Donc pour toi aller au culte c'est de la plaisanterie. N'oublie pas que l'or et toutes les richesses viennent de Dieu. Bonne journée. Mais attends, je vous dépose. En tout cas j'ai essayé. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner pour être informé de nos multiples publications à venir. Soyez bénis. Bye.